ça va là-haut ? Me parle pas, ça casse mon rythme. On a un souci. Il y a du mouvement. On a 15 minutes. C'est le moment. Envoyez. Salut les gars. Et si je te disais que je sais ce qui se passe après la mort? On devient un fantôme. Plus de casier judiciaire. Plus de fêtes de bureau. Plus de mariage à la cour. Mais ce qu'il y a de mieux quand t'es mort, c'est que t'es libre. Plus de politique, plus de diplomatie. Personne n'y touche, il est à moi. Plus de compte à rendre à qui que ce soit. On peut éliminer quelques beaux salopards. On est piégé dans l'escalier. J'ai une super mauvaise idée. Garde tes mauvaises idées, trouve-en une bonne. C'était bien un méchant! Ils sont tous officiellement morts. Les gens se souviendront pas de nous, mais ils se souviendront de cette journée. Les bonnes actions peuvent effacer les mauvaises, non? Vous êtes qui, vous autres? Plus personne. Ils sont peut-être pas vraiment morts. Mais ça peut s'arranger. Ils ont des avions de chasse! Tu vois ce que je vois? Ouais! Tu vois ce que je vois? Ouais. Désolé d'avoir crié. Bienvenue à bord du plus gros aimant du monde. T'es un grand malade. Grenade! J'étais pas sûr que ça marche. Enfin, pas sûr à 100%, je m'en doutais seulement, mais... Ah, oh, on est dingue, tout ça est beaucoup trop dangereux. Il ne s'agira pas d'une guerre de héros. Ce qui veut dire que ça va être amusant. Le monde brûle. Vous n'avez pas idée de ce dont les hommes sont capables. Nous devons intervenir. Je comprends que vous ayez envie de vous battre. Mais il y a d'autres façons d'accomplir votre devoir. Il va vous falloir un costume. Suivez-moi. Nous sommes la première agence de renseignement indépendante. Maintenir la paix et protéger la vie. Bienvenue au club. L'ampleur de ta puissance. Nos ennemis pensent que nous sommes des gentlemen. Mais la réputation, c'est ce que les gens pensent de vous. Le caractère, c'est ce que vous êtes. Armé et prêt. Armé, oui. Mais prêt, on va voir ça. Ceci s'appelle un parachute. Ça permet de sauter d'un aéroplane sans se blesser. Hey,
Je m'appelle Hayley. J'habite près d'ici. Je m'appelle Ellie. Ils disent que vous êtes allergique au monde, c'est ça qu'on dit, non? Oh oui, je crois qu'on peut dire ça. Il a cherché partout un spécialiste qui pourrait t'aider. Tu vas aller mieux. Promis. Promis. Bonjour, Ellie. Je suis le docteur Horn. Bonjour. J'espère que tu ne vois pas ça comme une clinique. Pour moi, c'est un foyer. Et pour l'instant, c'est ton foyer. Oh, ça fait si longtemps. Toutes les choses pour lesquelles j'ai prié sont ici. On commence ? À ton avis, qu'est-ce qui te rend malade ? Beaucoup de choses. L'air, l'eau, la poussière. L'état d'Ellie va s'aggraver avant de s'améliorer. Il y avait quelque chose dans ma chambre. Les cauchemars font partie des effets secondaires, c'est parfaitement normal. Je vais pas te faire peur, mais cet endroit, ça me fait flipper. Je crois qu'elle me rend encore plus malade. C'est le traitement qui fait ça. C'est pas le traitement qui fait ça. Et si ça marche, alors pourquoi je me sens encore plus mal? Parce que ça marche. Il s'est passé un truc grave ici. Absolument qu'on parte tout de suite! Est-ce que sa vie est en danger? Pourquoi tu fais ça? Tu es plus malade que tu ne le crois. Empêchez-la de m'approcher! Je suis pas malade! Laisse-moi sortir! Laisse-moi sortir! Tu vas aller mieux. Promis. Ce gamin ne se croyait pas à la hauteur. J'ai cru que c'était seulement la peur. Alors je l'ai pris sous mon aile. Il avait raison d'avoir peur. Pearl Harbor est l'échec le plus important des services secrets de notre histoire. Ça ne peut plus se reproduire. Je veux rectifier ça. Il y en a au moins certains qui veulent se battre. Les Japonais préparent quelque chose de plus gros. Et quelle est la cible? On pense que c'est Midway. Washington n'est pas d'accord. Washington se trompe. Si on perd, les Japonais envahiront la côte ouest. Seattle, San Francisco, Los Angeles seront réduits en cendres. Nous avons ordre d'attaquer! Il faut frapper un grand coup pour qu'ils se rendent bien compte de ce que ça fait. On parle de 2 douzaines d'avions contre toute la flotte japonaise. Ce n'est pas un combat équitable. Je ne sais pas comment guider ces hommes. Ils te suivront jusqu'au bout. Si tu sais que tu as fait ce qu'il fallait, quand les autres comptaient sur toi, tu pourras tout affronter. Shiran, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Selon votre contrat, le management ne peut licencier un chauffeur qu'en cas de faute lourde. Alors, vous êtes parfois en retard? Non. Des infractions au code de la route? Non.
Vous buvez au travail? Non. Vous n'avez frappé personne? Au travail? Oui. J'ai pas l'impression. Eh bien, dans ce cas, nous n'avons pas à nous en faire. Je vous présente mon cousin, Russell Buffalino. Comment ça va? Salut, enchanté. C'était comme à l'armée. Si on suivait les ordres, si on faisait ce qu'il fallait, on était récompensés. Un de nos amis a des ennuis en ce moment. Un ami qui est au sommet. Mais à l'époque, il n'y avait pas une seule personne dans tout le pays qui ne savait pas qui était Jimmy Hoffa. Arrachez-lui cet ordinateur! Toujours attaquer l'équipe qui a un pistolet. Mais les couteaux, il faut foutre le camp. Arme à feu, on attaque. Et poignard, on se barre. Salut, Franck. Tu veux contribuer à écrire cette page d'histoire? Oui, bien sûr. Les grandes entreprises, le gouvernement se sont associés pour essayer de nous détruire. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a encore dit? C'est pas le moment d'avoir des secrets. On va entrer en guerre avec ces fumiers. Ok. Les choses ont encore dégénéré avec le drame. Jimmy, asseyons-nous tous les quatre, faut qu'on discute. Je refuse de m'asseoir, c'est au-dessus de mes pas. Les jeux sont faits. Les jeux sont faits. Je sais des choses, et ce que je sais, ils savent pas que je le sais. Et ça se passera comme ça, qu'on le veuille ou pas, sans compter bon. Peu m'importe que vous l'ayez fait ou pas. En fait, ça ne change rien pour moi. Oui, je sais. Je suis ici pour vous défendre. Ok? Ok. Vous vous demandez si je suis coupable ou innocent? Eh bien... Calme ici ce soir. Ouais, je peux enfin t'avoir pour moi tout seul. Allez, la mort. Les mecs, prenez-lui son tesson de bouteille. C'est sûrement à l'un des petits jeunes. Avec qui tu discutais hier soir? Il y avait aussi des étudiants assez jeunes dans le bar. Ils ont laissé un portable. Alors j'ai fouiné dedans pour trouver le propriétaire. Tu veux pas voir ça? Tu veux pas voir ça? C'est affreux. On a ouvert quelque chose. J'ai peur. T'as très peur aussi. Tu sais que si tu veux parler à quelqu'un, je suis là. T'as l'air super coupable. Ils m'ont obligé à le faire. Mon paradis, c'est ça. Avoir tous vos yeux braqués sur moi tous les soirs. Antenne dans 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Oui, je suis le roi. Star du PAF, producteur. Je suis tout simplement indéboulonnable. Je vous aime tous! Antenne dans 8 secondes. Vous informer chaque soir est un immense honneur. Non. Et un plaisir aussi. Les audiences de votre JT ne vous protégeront pas indéfiniment. Vous ne m'impressionnez pas, Saint-Guérande. Ça viendra. 40% de part de marché hier soir. Oh, danse de joie. Yes! Trouvez-moi les failles de ce fils de pute. Encore un ce matin. Le coup du cercueil, quand même. Mais s'il y a une bombe dedans? Vous regardez trop les infos. Qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive? Je
sais bien qu'il y en a encore qui vont dire que ça me ressemble, mais moi je dirais plutôt une femme. Mais non, il y a qu'un homme qui peut se comporter comme ça. Et je crois que j'ai ma petite idée. He's Marshal Jojo. You're a top man. Prepare to leave the house. Today you boys will be involved in such activities as war games, ambush techniques, and blowing stuff up. I don't think I can do this. Was? Of course you can. When I was your age, I had an imaginary friend. It got me in so much trouble. Kids, it's time to burn some books. You're growing up too fast. 10-year-olds shouldn't be celebrating war and talking politics. Hello, Hitler. I wish more of our young boys had your blind fanaticism. Did you know Jews can read each other's minds? But how would you know if you saw one? They could look just like us. Hi. You know what I am? Say, a Jew. Gesundheit. Sheesh, that was intense. What am I going to do? No idea. Got it. I will negotiate. Burn down the house and blame Winston Churchill. We'll negotiate. If I tell on you, you'll be in big trouble. They'll never win. Love is the strongest thing in the world. Your mother took me in. She's kind. She treats me like a person. You two seem to be getting on well. She doesn't seem like a bad person. I'm the enemy. You're not a Nazi, Jojo. You're a 10-year-old kid who likes dressing up in a funny uniform and wants to be part of a club. God, nothing makes sense anymore. Yeah, I know, it's definitely not a good time to be a Nazi.